Du dimanche, côté que nous avons présenté, nous avons pour faire connaissance avec les icônes, les monuments de la musique haïtienne, qui ont commencé dimanche passé. Et nous avons continué aujourd'hui, sans trop de littérature, sans perdre de temps. Nous avons un petit problème technique qui fait nous commencer 5 ou 6 minutes en retard, nous excusons, ce n'est pas notre style pour nous commencer en rien en retard. Mais certainement, nous ne pouvons pas prêter sous bas négatif, pas positif seulement. Et comme annoncé, nous avons l'un des monuments de la musique haïtienne avec nous, via Zoom, à travers le Zoom, parce que chaque on a à cause du confinement. Il s'agit de l'international Yvon André, du Cap et du Tabou Combo. Cap, et bonsoir, et bien, je souhaite bienvenue sur Télécajou. Bonsoir, Didi, merci pour l'invitation. Eh bien, nous allons chiter à Fonti Cosé et ouais, nous allons parler de bail positif. Exactement. Donc, nous allons faire un petit causer sur la musique en général, sur l'état de la situation industrie musicale haïtienne actuellement. J'ai l'impression que c'est un monde qui est mieux placé pour, à cause de ton parcours avec le Tabou Combo, 52 ans. Bon, vous faites le tour du globe avec le Tabou pour représenter. Vous avez été les ambassadeurs de notre pays et à travers la musique. Donc, nous sommes là. Et nous avons une chance pour nous faire un petit face à face, one-on-one avec Tabou. C'est pas Tabou Combo seulement. En première phase, Tabou, ça nous va le faire. Et bon, nous avons une petite histoire rapidement de. Parce que Louis Chancy, qui était notre invité la semaine dernière, Monsieur Zumba avec beaucoup de grandeur, j'ai dit comme ça que il toujours admiré le fait que Tabou Combo commençait comme un groupe d'amis, une famille, et la Pétionville là, côté que nous fait, puis nous viennent faire groupe là, on connaît, vous avez des petites habitudes, des mœurs, nous contacter des autres. C'était vraiment une petite famille, et puis nous venons faire un groupe. Est-ce que réellement c'est son plus que le dé, dans ça que fait nous jouer comme ça? On a un petit parcours. Comment a commencé le Tabou Combo rapidement? Et puis, bon, on a fait ça en première phase. Parle-moi du Tabou Combo première phase. Tabou Combo, normalement, on a acquis à Pétionville en 67-68. En 67, c'était les Los Incognitos. Les Inconnus. Yes. Les Inconnus. Donc, à partir d'un festival qui était fait dans Télé Haïti en 68, et que nous avons participé là-dedans, et c'était like a Star Search type of festival.
Et puis nous décidé Herman décidé changer nom tout nom un nom qui puis local. Et comme en descendant à la ville là nous passer devant côté on est Tabou Fleur. Et puis Albert dit pourquoi pas Tabou. Et puis comme nous t'es fanatique Ibo Combo et puis moi Herman dit ben Tabou Combo. Et puis voilà, nous on était Tabou Combo, nous adopté lui. Et puis bon depuis lors you know like comme on dit the rest is history. History. Et nous on était mais pas oublier en 1970 le 11 août 70 Tabou Combo a fait son bal d'adieu à Ibolélé. Donc Tabou Combo normalement a cessé d'exister le 11 août 70. Et le lendemain nous font un disque d'adieu. Nous t'ai prêté seulement 500 copies. Et puis le 18, une semaine après, Thierry Albert parti. Le 19, Herman à Jean-Claude Jean parti. Thierry Albert au Canada. Jean-Claude Jean avec Herman à New York. Moi-même, un mois après, en septembre 70, je suis parti à New York. Donc, il y a Tissergo Guerrier qui était déjà à New York. Tout. Donc, moi-même, Herman, Jean-Claude, Sergo, nous rencontrés à New York en septembre, octobre 70. Et puis Dov Prato, il y a des amis qui disent nous pourquoi nous pas recommencer groupe là. Et puis nous gon monde qui fait nous contacter Dadou Basket. Donc voilà et puis comme ça groupe là reformé New York normalement et puis chaque membre ancien qui est entré comme Choumou entré début 71, Fanfan entré début 71, Tidov Chanty entré en 72 et puis voilà au fur et à mesure tout membre originaux regroupé et puis Tabou Combo recommencer à full force. C'est ça, donc c'est de la première phase de la création et jusqu'à ce que nous venions faire partie de l'exode à l'époque, nous tous nous avons quitté d'Haïti, tous les d'Haïti nous venons fonctionner en terre étrangère. Maintenant, pour nous, là, c'est, et, nous ne pouvons pas arriver ça, la première phase qui continue, c'est dans l'autre phase que Glenn ou Yvan Tabou Combo, il y en a nous-mêmes qui prennent. Nous parlons américanisé. Vous allez adopter d'autres mœurs et d'autres habitudes, nous parlons de réalité de la vie américaine. On y a, aux États-Unis, comment ça a été? Là, nous faisons écrire New York. Comment ça a été? Bon, début, pas facile. Au début, nous avons vu qu'on a sucre, il y a des quote-unquote gang members qui ont vu faire pression sur nous, à demander nous l'argent. Mais nous ne pouvons pas céder dans la pression. Mais vous l'avez pour qui ça pour protection? Protection. Soi-disant protection. Et dès qu'on a le canne à sucre, c'est super. Dès qu'on a le canne à sucre, les femmes, dès qu'on entre, il va et vient. Mais pas de pression de gagner comme ça du tout. Oui, oui. Bon, on fait un abri dans Coconut Grove. Gon gang Brooklyn qui m'a donné une réunion. Et puis, on dit à partir de samedi prochain, chaque fois nous jouer pour nous bailler autant l'argent. Herman frappe mes sous porte sous table Herman dit c'est pour ça nous t'ai convoqué Tabou Combo. Herman dit nous pas dire avec un mot très bouché. Herman dit non, pas gain bail comme ça. Et puis voilà, et puis pression en fini. Mais faut me dire en 74 nous avions eu la chance de traverser les frontières. D'aller par chance nous gon musique nous New York City qui font on smash it en Europe. Et qui vient number one et en France. Et puis à partir de là, nous décollons internationalement. Vous comprenez? Mesdames, Messieurs, nous excusons, il y a un petit problème technique parce que. Ok, maintenant, Kabir de retour. Oui, donc voilà, donc 74, nous passons l'autre niveau. Nous, par chance, nous font un gros tube en France. Et c'est la première fois un groupe entier est arrivé, font un number one hit dans le hit parade français, qui t'a compilé avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Mounsaïo, vous comprenez? C'était la pièce New York City. New York City, yes. Donc, parce que là, ça, moi-même, dès la sélection nationale, et nous allons en Europe. Gain de côté d'aller et puis nous t'a parlé de la musique du Tabou Combo. Nous étions très fiers de ça parce que on a été encore déjà à la Côte d'Azur cette année on ne va danser que du Tabou Combo. Ah ouais.
Ouais. Et la sélection nationale, je dis, nous, ça, les notables jouent pour Haïti, bah, comme ça. Mm-hmm. Dans tout cas, je vais quitter de continuer parce que maintenant, après, ce que ça, ça fait pour ta boucle. Là, vous étiez, et bon, vous ne parlez rien. Et des jeunes, de, presque teenagers, ou pas, mm-hmm. nous te gagnons homogénéité, nous te gagnons amitié, nous te gagnons que nous enseignons fidélité à l'une à l'autre. Mais cependant, là, nous venons aller, l'autre bout, où on a 500 000 copies, d'après l'histoire, d'après ça qui est écrit de un album de New York City. Mais dans qui ça a transformé, qui ça a fait de transformation point de vue vie? Il faut les transformer vie. Nous, on a fait comme, vous êtes reconnus partout. Et bon, on va connaître. À partir de là, comme nous t'es fait, à ne pas faire, parce que nous étions jeunes, nous pas connaître vraiment the business of the, the music business. The music business. And voilà, ça arrive en pile jeune qui font hit, et puis on va prendre l'important, c'est où ils font hit. Et puis nous avions été couillonnés par promoteurs de disques, disc label, etc. Voilà, donc, mais la vie continue, nous pas découragés. Et puis, ce qui est arrivé, l'ironie du sort, c'est pendant nos number one hit en Europe, et puis la caille nous, New York, avec l'arrivée des scachas sur le marché haïtien, les nabroués nous fait 3 ans pour New York, et puis nous pas même qu'à faire 100 moun. Nous on a fait vendredi, samedi, dimanche à jouer, et puis nous pas qu'à faire 100 moun pendant 3 jours. Est-ce que c'était le phénomène aux ananas, hein? Le phénomène à Swear, Haïti. Et puis l'autre album, et puis Tabo Combo. Mais notre détermination de continuer, et nous continuer, c'est ça qui fait force, nous, hein? Nous pas décourager. Blackout 1977, Blackout 77, après nom Basement New York, a répété dans 100 degrés chaleur. Wow. En 78, nous venons jouer avec Skacha à Brooklyn College. Et puis, Mounio reprend confiance en nous, public haïtien reprend confiance en nous, et ouais, que nous sommes là toujours. Et puis, nous venons paraître avec l'album Pyramide dans des Sands. Et puis, voilà, nous remontons pendant. C'est ça. Bon. Et Capi, écoute, comment on dit que nous avons fait. Et on a parlé ça avec Maïsou Loubert, j'en sais côté, nous parlons de ça avec Loubert et puis on a invité l'autre monde. Comment a été la relation entre les deux groupes, par exemple, nous connaissons une compétition, une polémique probablement. Puis, le fait que Skacha a été un problème pour vous autres, côté que c'est licencié Vin prend. Et je devine prendre votre place au soleil, côté, c'est eux-mêmes qui gagnent succès. Qui en relation, parce que je connais que vous avez une relation fraternelle avec, par exemple, Robert Chancy. Nous baptisons Visit l'autre, etc., avec ça, Fanfan, avec Robert Maria, deux sœurs. Donc, pratiquement, qui en relation, Zami, ça va, parce que Robert insistait déjà en parler avec moi. Il dit que fort émission, ça a fait, côté que, quand nous parler de relation des musiciens, qui dans l'autre groupe. Est-ce que pas gagne hing hang vraiment? On n'a pas l'aim de ça parce que capo gagne tempérament parce que me connons longtemps. Me connons fanfan longtemps. Mais est-ce que tout pour notre tabou gombo qui gagne tempérament et avec sagesse à côté que je t'ai entendu avec l'autre musicien dans l'autre groupe que quand pour frère musicien. Non mais une bonne explication pour ça. Absolument. Moi-même personnellement, moi-même pas capable parler pour l'autre monde, même capable parler pour tête. Personnellement, je dois apprécier la valeur artistique d'un musicien. Vous comprenez? Et il y a un monde qui te fait compte avec moi. Au début, il me fait entrer dans le tabou parce que je me dis Chle-Chle, c'est un bon groupe. OK. Chle-Chle, c'est un bon groupe. Du fait que je me dis, et pas nous, garçons, non, on a mis fille qui fait près de 5 ans de papa avec moi, peut-être ça. Wow. Donc, je reconnais, mon talent, je reconnais ton talent. No matter, surtout musicien, musique, c'est is my life. C'est pas mon remède depuis que j'ai 5-6 ans d'âge. Donc, moi-même, toujours reconnaître talent. En plus, il y a le côté fraternel, le côté amitié. Amitié, je me développer avec Loubert, son mari extraordinaire. Et Loubert is a fine, fine gentleman. D'ailleurs, Loubert baptisé petit moins. Oui. Donc, Loubert, il fait la part des choses et puis il mettait en perspective. Là, il dit que
l'aile pour déclaration de faire. Donc il dit là toute fête à toute sincérité, à toute curly, because once again Robert Chancy is a fine fine gentleman and is a very intelligent person. Bon, Kavi, vous avez et bon, vous dites ça monsieur que en pile de téléspectateurs à parce que le monde entier qui regarde nous là et à travers le Zoom ou à travers www.kajou.tv. Et sans compter l'autre site encore que nous parlons en conversation avec le public et après notre petite causerie. Mais qu'on y en a ça n'a fait, nous parlons une petite pause musicale, une affrontée là, pour deux minutes seulement. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre Kajou, Télé Kajou, US. Notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est le grand Yvon André du Tabou Congo. Oui, Kabi. Est-ce que vous remarquez l'on cité dans l'Aubert Chancillan, qu'on smile qui peut être dans la figure? Oui, oui, c'est ça. Loubert is my brother. Oui, yeah, c'est ça. En tout cas, on se retrouve tout de suite, mesdames, messieurs, à tout à l'heure. Ensuite, pas Loubert seulement. Hein. Et mesdames et messieurs, de vos chefs, vous êtes en train de suivre Kajou, Télé Kajou US. Invité aujourd'hui, c'est l'international Yvon André du Tabou Congo, Kapi. Et Kapi, avant de continuer, petit cause, non? Regardez, on va faire un petit relax parce que on va faire un petit bac tout petit pour nous faire mieux. OK. Un petit bac. Là, là. Là, c'est mieux? Oui, yeah, c'est mieux. Merci. Right. Bonjour, on va faire moi. Ba moun yo, m'pa bezwen pran trop tan, mais ba moun yo côté Kapi a sorti. Moi connais li, mais expliquer moun yo connais de mon entier pas attendre côté non Kapi a sorti. On va prendre 30 secondes, on veut bon. Mon Kapi c'est un dérivatif de capitaine. En grandissant, papa m'était capitaine de l'armée d'Haïti. Donc j'étais connu relé petit capitaine. Oh. Voilà, donc petit capitaine est devenu petit Kapi est devenu Kapi. Et puis, moi, t'es capi pour mon nom d'artiste. Bon, c'est ça. Bon, ok, merci. C'est que tout le monde est capté. Et comme nous avons commencé la deuxième phase du Tabou Congo, depuis votre arrivée en terre étrangère, nous allons nous faire international, nous jouer un rôle très important comme ambassadeur d'Haïti, de la musique haïtienne. On est là, nous retournons après les succès. Succès au marché de l'une à l'autre. Ok? Nous fait, qui côté que nous fait l'autre chute après et challenge chez Skacha, de l'autre côté nous te fait chute. Est-ce que tu es une chute ou bien est-ce que ça a toujours été un succès jusqu'à ce que nous ayons 52 ans pour y aller? Non, et pour répéter Guy du Roger, nos succès et défaites dans ce métier, ou bien pour répéter That's Life, musique qui a été enregistrée par Frank Sinatra, James Brown, you're riding high in April and you shut down in May. Parce que dans show business, you cannot stay up forever. Elvis Presley était comme ça, Michael Jackson était comme ça n'existe pas pour être 50 ans au top niveau. Donc, il y a des hauts et des bas dans ce métier. Donc, bien sûr, nous connus en pile bas, mais nous, comme j'ai dit, nous toujours remonter la surface, nous toujours
face the challenge et puis fait d'autres chemins, nous attaquer le marché et africain, le marché panaméen, le marché antillais. Tabou Combo, c'était un culte en Martinique dans les jusqu'à présent. Donc voilà. Et puis nous entamer le marché panaméen, nous entamer le marché et africain, et voilà. Donc ça permet nous toujours à voyager. Nous faisons pile festival, tout grand festival dans le monde, tout festival européen nous faisons. Nous jouons au Danemark devant 100 000 moun, 100 000 personnes. Nous jouons devant et Bob Dylan finit jouer, nous jouer. Et nous jouons pour la société Baron Philippe de Rothschild en France. Baron Philippe de Rothschild, c'est l'une des plus grosses fortunes françaises. Eh bien, ils ont été invités Tabou Combo jouer pour eux. Et à Courchevel, c'est côté où fait la réunion de tous les... Qui t'a expliqué, en bref, sa société Baron Philippe de Rothschild fait. C'est eux-mêmes qui sont le plus grand exportateur de vin aux États-Unis, par exemple. Et aux États-Unis seulement, ils exportaient plus de 20 millions de bouteilles de vin par année. Mouton Cadet et Moët et Chandon, etc., etc. Donc, président compagnon, l'elle était dans le collège. J'ai un petit garçon, il était tendé à parler de Tabou Combo New York City. Donc, des années plus tard, il est président de la compagnie, les délégants africains, quel que soit côté Tabou Combo et sur planète là, pour joindre Tabou Combo, pour Tabou Combo vient jouer pour eux, dans une grande réunion, ils ont fait à Courchevel là. Wow. Courchevel là, c'est un côté grand ski resort. Et puis, il y a un gros hôtel, 5 étoiles, dans le temps, ski resort là. C'est là, tout le monde descend, et tout le bagaille, et puis, you know, belle fête. Après ça, en 2004, nous jouons pour eux, dans Bordeaux, dans le château. À Bordeaux, qui est-ce qui joue avant nous? C'est Placido Domingo. Placido Domingo finit chanter, il introduit Tabou Combo. Donc là encore, il y avait la grosse bourgeoisie française, il y a un ancien président, il y a un monsieur Charles Aznavour, il y a un monsieur Pompidou, madame Pompidou, et puis il y a la baronne Philippine de Rothschild. Une fille qui vaut, comme fortune personnelle, qui vaut au moins 40 milliards de dollars. Et mes fils a monté sous podium, a dansé avec nous. Et puis, Hermano a eu le fair play de lui apporter comme cadeau une bouteille de rhum d'Haïti. Wow! Et Hermano dit, c'est le rhum de notre pays. Voilà. Et il t'a apprécié ça. La baronne Philippine de Rothschild. Donc, voilà, docteur Tabou Combo, toujours, joindre notre porte qui ouvrit, de par notre fair play, notre savoir du métier que nous avons acquis au fil des années, bien sûr. Et puis voilà. Bon, en tout cas, avant que nous continuions la dernière partie de la deuxième phase, m'a profité de vous et m'a servi à vous-même pour féliciter Tabou Combo pour le parcours, ce parcours extraordinaire. Ok, 52 ans, bon anniversaire en retard, mais nous te dis déjà. Et nous tout ça, félicitations pour tout le monde. Vous connaissez comme grand pile, moi je suis un PNP intégral, donc vous connaissez, c'est ou même tout, parce qu'il faut que je dise à tout le monde que les PNP t'as fait, Capi a toujours été avec nous, il vit l'entraînement, il y a des musiques, il y a des cœurs. Ben, comme ça, jusqu'à présent. Me chanter en musique. Me chanter sur plaque, PNP, etc. Absolument. Donc, ouais, c'est ça, mon cher. Et, faut tout le monde connaître dans le monde entier que, ou son frère, ou son ami depuis Haïti. Donc, ça veut dire que, qu'on est là, m'blais vous tout le monde connaître relation, nous. Parce que PNP sont un orchestre d'icônes, et qui ont pas qu'être monumentaux. Donc, ou toujours avec nous, les nappes grandies. Ouais, ou même vous tout là, qu'on les enfants est venu, le frère Pascal Convini, nous sommes avec tout le Richard Durozo, donc pratiquement, il faut que mon autre étende ça. Additionnellement, en plus de ça, on va profiter de l'occasion pour voir un accolade spécial que Abmoun que m'a représenté là-haut. Ce sont les membres du groupe PNP. Ok, Loubert, Zouzoul, Kirby Baton, ok, Carlos Ramirez, Jean-Michel Coventon, qui a une équipe ça très prochainement sur ce même écran, sur ce petit écran. Oui, et bien avec tout monsieur Esnar, Kaimit, Manoak Silien, et Ougen Christian Fizeme, Ougen Zagalo, toute équipe ça, c'est l'équipe, c'est la famille PNP. Tout monsieur ça, Raymond, tout Abgado Kounia là.
Ouais, pour demain. Avant, tu allais dire quelque en, chose. En parlant de Kirby, Montal. Kirby, pourquoi vient chercher Mangoyo? Mangoyo a fini à la cour, pourquoi? Oh, Kirby, ça c'est relâché avec elle. Vous savez, la deuxième phase, hein, c'est que et vous avez connu du succès pour faire un rôle d'ambassadeur de la musique haïtienne. Et parce qu'à cause du petit retour qu'on a eu au commencement, 6 minutes, nous n'avons pas fait 4 phases. N'a pas été directement dans l'autre phase que me joint, c'est Capi. Capi. Qu'est-ce que vous tirez? Soit tirez de Violent Abougombo, parce que nous connaissons que tu as toujours été un distributeur. Nous connaissons que vous faites entreprendre ou une entreprise avec madame ou le bac artisanal. Le participant, qui gère ou gère succès Abougombo et Vibis Zinsou? Parce que je connais que vous travaillez dans ce système dans tout. Donc, pratiquement, vous portez plusieurs chapeaux. Donc, pratiquement, vous avez qui vont gérer tout le monde pendant que vous avez mené famille ou tout le monde. Parlez-nous de ça. Effectivement, j'ai enseigné pendant 2 ans dans le school system. Non? Et non seulement j'ai un substitute teacher, mais j'ai enseigné pendant 2 ans. Et un ESOL. ESOL is, you know, ESOL, English. Second language. For, as a second language. Et moi, je suis entrepreneur, madame, moi, justement. Côté, nous gagnons, nous importer des produits metalwork, produits fait découper, en Haïti. Nous entrons ici, son business qui est légalement enregistré dans l'État de la Floride. Et comme madame, moi, c'est un member of the Florida Orchid Society, donc ça permet un pile porte ouverte pour lui, un pile connexion, un pile contact. Donc, ça permet de participer dans toute show, plein de shows, mostly the plant shows, throughout the state of Florida. Et il y a arts and crafts shows, il y a seafood festival, seafood shows. Donc, il participe dans tout bail, ça, all year long, excepté pour pendant l'été, fait trop chaud. Exposition, ça n'a pas fait. Parce que most of these shows are done outdoors. So, mais pendant l'hiver, pendant spring, automne, chose à chaque semaine différent, chaque week-end, d'un côté. Donc, c'est un business qui est vraiment un business légal, un business qui est rentable, mais et comme c'est aussi tout business campé, et donc voilà, business ça a campé tout. Mais pour le moment. Mais pour qui a géré vie maritale, vie conjugale avec toute activité ça, parce que et Capi du Tabougombo original, pour que Capi a voulu faire sa vie, il y a Capi qui a 2 petits garçons, nous allons parler de ça tout à l'heure, qui l'a. Nous pas oublier petit fille, nous allons parler de 2 petits garçons, comme si elle s'est souriée. Parce qu'on connaît que, et non seulement que, il y a des informations que je connais personnellement, mais j'ai fait des recherches en plus qui permettent à Cabalès pour nous parler comme ça. Parce que l'idée, c'est d'offrir aux gens et aux téléspectateurs quelque chose, et une différente idée du musicien haïtien, de l'artiste haïtien. L'artiste haïtien est un homme de famille sérieux, la plupart d'eux. Et nous, tous là, dans l'âge que nous vivons, nous n'avons pas qu'un année de mariage, nous n'avons pas qu'un petit monde qui nous levait, qui est en ligne droite, etc. Donc, il faut que le monde connaisse, il faut que ces gens s'entendent que les musiciens haïtiens, contrairement à longtemps, comme je dis, musiciens en football, c'est vagabond, c'est pas vrai. Personnellement, c'est un exemple qui montre que c'est pas ça. On m'a parlé avec vous, Loubert, toute l'équipe qui est dans l'équipe PNPA, surtout l'équipe Tabougomboa, nous montrer que, en consistance, que nous sommes des gens de bien, au point de comme tu as dit, gagner des bas. C'est comme ça que nous apprenons de la vie, nous apprenons du succès, nous apprenons d'échecs, tout, parce qu'on est échec, sont un chapitre lié pour un succès. Ouais. Absolument. Donc, vas-y, bon, qui gens où gérer vie ou dans tout bagage, ça, au cap? Bon, femme ne doit pas être musicien, je suis un être humain. Donc, ou bon famille ou à gérer, ou bien business ou à gérer. Ou gagnent. Et, gomba important besoin dit tout. Gomba important, pas dit là, ça. On toujours dit, li, mais avant d'oublier qui t'aime dire. On toujours suggérer pour tout musicien haïtien
qui écrit musique, auteur, compositeur, to be a member of SACEM. Il faut absolument être un membre de la SACEM, qui est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Forcément. Donc, forme de la SACEM, moi-même personnellement, je dois beaucoup à, bah, je me regrette d'être un membre de la SACEM depuis 1979. Ça vous permet d'être rémunéré tous les 3 mois pour vos œuvres comme auteur-compositeur. Forcément, il faut être membre de la SACEM. Il y a un monsieur qui s'appelait, il est décédé, s'appelait Joe Arroyo, from Colombia. Il s'est taillé une fortune, j'ai bien dit. Le monsieur mourut, il t'a quitté 100 millions de dollars. Bien sûr, pour famille, madame petite. Il mourut jeune. Mais cette fortune, il gagnait sur la sueur des Haïtiens. Il prend musique Coupé Cloué. Il prend musique Dieu donné la rose. Il prend musique Macdomben. Il prend musique tout orchestre, DP Express. Il prend majorité répertoire DP Express là. Et puis, il déclare sous nom parle. Wow. OK? Il y a un certain, bon, l'autre artiste dominicain qui t'a essayé de faire tabou combo ça. Il y a Wilfredo. Thank you. Eh bien, nous-mêmes, comme des gens éclairés, il t'a demandé pardon et puis il t'a payé pour ça. Settlement. Instead of going to court, oh, wow, Mr. Krasilovski, we'll settle. Parce que avocat nous, William Krasilovski, a mangé en yen fret. Donc voilà, donc ça vous permet d'être rémunéré tous les 3 mois. Une musique décrite depuis 1980 jusqu'à actuellement m'a touché pour eux chaque 3 mois. Donc il y a ça accumulé et quand tu as la chance d'avoir une œuvre enregistrée également par un fameux artiste comme Carlos Santana, donc ça a boosté et voilà, parce que ce que ça nous a fait. Le Carlos était légalement enregistré Mabouya et devant avocat nous déclarer musique là à nous 5 membres qui étaient effectivement. Okay. Donc chaque fois musique là rémunération concernant ce titre distribué entre ces 5 membres. Voilà. Donc vous êtes rémunéré. Donc ça te permet de vivre, de gagner de l'argent même lors pas de travail et matin, midi, soir, chaque vendredi, chaque samedi, vous comprenez? Et ça aide en pile. Donc nous toujours suggérer forcément un musicien haïtien comme notre musique à nous est jouée spécialement dans les Antilles françaises, en France, etc. Donc soyez un membre de la SACEM et puis nous font live prestation dans tous les territoires français, live prestation musique ou quoi jouer ou déclarer. Donc là encore vous êtes rémunéré pour ces live prestations. Bon, c'est très bon conseil, dans ce que, et en plus, mon attendu, mais quand il ça, automatiquement, quand on arrive là, les villes mettaient dans la période de confinement, côté que, grand pile jazz qui pas voué, grand pile musicien qui a un problème, pour que son sujet qui traitait à plusieurs reprises. Tout n'y là. Si on a qu'à s'informer, à part de, musique pour entrer dans sa SACEM, pour venir en hauteur, enregistrer, etc. Qui j'ai un business en venir qu'on y a là, dans un business haïtien là, compatiblement ou même Skacha et McDonald's, comme ça, qui j'ai un well lié qu'on y a là, qui sort à bas comme conseil, si ou t'as un conseiller, comme si l'on talon ou dans l'on board qui t'a, l'on conseil, côté que ou t'as bas jeune musicien ou route, à suivre, manche à suivre pour David Gain ou orchestre à succès. Qui sont à dire? Moi, je dis que vous remarquez qu'il y a des jeunes actuellement qui choisissent d'être stars instead of being musicians. Comment? Ok. Si au départ, vous mettez notre tête ou c'est star ou la grosse tête ou on est fond plate et puis vous gagnez la grosse tête, ça ne va pas mener aucun côté. Donc, il faut avoir les pieds sur terre, rester humble. Et puis, dédicacer tête à musique.
si c'est musique ou envie fait, do it with your heart. Learn the basics of music. So, you know, learn the chords, the basic chords. Gen musique, the basic chords. Yeah, c'est so la partie scientifique. C'est la partie scientifique. The business of music also. The business of music. Well, the business of music is the base, c'est enregistrer vos œuvres pour y pas pour. C'est un bon autre exemple. Pa pa da pa 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 da pa 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 pa. One with Guetta. Le Mou Jean-Baptiste, 1962. OK? One with Guetta prend musique ça. Il just changer parole yo. Et puis il mettait musique et parole de One with Guetta. Non, mais moi, ce que j'ai fait, avocat nous, William Krasilowski, mettait relé un petit Le Mou Jean-Baptiste. Je recommande l'avocat ça. OK? Li, yo font lawsuit contre One with Guetta. Mais après des mois, je demande l'avocat comment ça s'est passé. Monsieur dit, moi, apparemment, monsieur, c'est le monde qui n'a pas besoin d'argent. Petit, mais moi, je parle. Pourquoi lui accepter dans cette heure maintenant? Apparemment, c'est le monde qui n'a pas besoin d'argent. Mais quand même, j'ai fait mon devoir. Je trouve que ce n'est pas ton bail qui fait, ce n'est pas ton bail qui normal pour exploiter les musiciens haïtiens comme ça. Et ça, il a fait depuis des années. Yellow Bird, Harry Belafonte. Harry Belafonte, yeah. Yellow Bird, c'est Choukoun. Et bien, comme Choukoun. Cette musique n'a pas été légalement déclarée par l'auteur-compositeur, Harry Belafonte s'est arrogé le droit de prendre la musique là, le mettre sous nol. En d'autres termes, Capi, ce qu'on dit là, c'est que c'est une grosse déficience de la musique haïtienne. Absolument. Number one, that's what it is. Il y a un artiste haïtien, je vais citer non. Personnellement, je les monsieur. Je dis, monsieur, je saute Martin, ça m'a dit qui passe au moins 15, 18 ans de ça. Peut-être 20 ans de ça. Je dis, monsieur, je saute font tourner en Martinique là. Ou mon plaque qui fait que saute là, plaque là, cartonné. Cartonné, ça veut dire toute radio station à brûle, toute discothèque à brûle, chaque musique dans la plaque là, chaque musique indistinctement sont méga, méga hits. Moi, le monsieur me dit, monsieur, est-ce que vous êtes membre de la SACEM? Mais ça que SACEM, non. Ben, du temps, m'expliquer, monsieur, ce que c'est que la SACEM. L'importance de devenir un membre de la SACEM. Je dis, monsieur, si vous parlez, quittez moi-même, me déclarer, je serai ton éditeur. Ouais, bon, 6%, 8%, combien de demandes là? Hey, mais, tu sais pourquoi il a refusé? Si était un étranger, au lieu de moi, même qui t'a proposé ça, il était d'accord. Eh bien, je te jure que jusqu'à présent, je suis sûr qu'il n'a pas touché un centime de Plaxa. Ces Plaxa aux Antilles seulement sont plaques qui vendent presque 100 000 copies. 100 000. Et pour ça, c'était LP. Ouais. Donc, hein? Pas vinyle, hein? Eh bien. Bazlan et Didi, c'est salier. Même bon. Si ou pas travail, même si ou pas travail matin et chaque vendredi, chaque samedi, mais comme je te dis, tu es rémunéré tous les trois mois par la SACEM. C'est ça. Donc, bon. Quoi de plus simple? Actuellement, SACEM gagne un programme, il y a les fonds de secours, justement, pour cette pandémie qui existe. Ils font un programme, il y a les tout membre de la SACEM au courant, parce que vous voyez email, bah, tout même membre. Eh bien, tu remplis un formulaire qui est très, très compliqué. Faut que patience pour remplir. Moi-même, je l'ai fait. Eh bien, son fonds de secours, son argent à Baou. Ouais, c'est pas un prêt, c'est un fonds de secours contre le coronavirus. Donc. Wow. Alors. Vous parlez de Nzéo perdu. Thank you. Bon, écoute, à partir de là, nous couvrions un peu le bagaille. Et nous parlons de première phase d'Abou Combo et nous pas diviser par là et programme 4 jambes de piano parce que il y a trop de bagages à parler pour nous couper. Pour nous avons un nous avant de arriver dans Legacy Capi, côté que je suis introduit ici comme artiste et musicien chanteur. Avant d'arriver là, on a fait ça en dernier lieu et puis on a pris Chita, il était temps. Pour nous faire public là, nous à travers le monde. Parce que c'est le monde entier qui a fait là. Mais qui ça a besoin pour expliquer? Tabou Combo, tu es qu'on suive Ibo Combo.
accord musical, c'était accord ça, Thierry Albert, etc. Et puis, quand on là, qui l'a appris d'adou, nous venons gagner, après d'adou parce que, nous venons gagner, nous venons gagner horn section, des cuivres. Nous venons gagner des cuivres. Est-ce que, approche musicale tabou comme moi, qui ça change, qui ça choquant de quatrième dimension à on, avec une musique très percutée, qui est là, gagne l'ivan et wap joué, bah, comme ça. Qui ça, qui genre, est-ce que son décision business? Est-ce que son décision marketing? Ou bien est-ce que c'était, et vous étiez en train de voir que vous adaptez dans l'entraînement aux États-Unis? Qui c'est ça? Eh bien, pendant même période, nous avons frappé dans Menskacha, nous avons pensé crossover dans le milieu américain. Donc, à cause de dossier number one, il y a un monsieur qui s'appelait Ben Ashburn, qui était manager de Commodores, qui était venu approcher nous, pour essayer de mettre dans le milieu américain. Donc, influence ça, nous avons une influence de Commodores, James Brown, ça fait nous mettre Horn. Et puis pour nous essayer de crossover dans ce milieu. Et puis malheureusement Ben Ashburn font heart attack, il est mort. Mais les amis, mais nous t'aimes habillé quand on est quoi à l'époque. Thank you. Donc voilà notre chance de crossover dans ce milieu. Et c'était l'unique chance que nous avions. Ben Ashburn mort et puis nous retournons à la source, le petit compas. Donc écoute Kabi, nous sommes ici de Thierry Albert, nous venons de Dadou. Ok, quel a été l'impact positif ou négatif lorsque Dadou a composé a formé son groupe? Parce que monsieur qui a un guitariste extraordinaire, monsieur qui a... Là, nous quitter parce qu'on pas quel hit tabou combo, c'est sous Dadou, en fait. Ok, pour y a qui j'en étais, est-ce que c'est son setback ou bien est-ce que ça vous a permis d'adopter d'autres styles? Eh bien, nous fait one step forward, one step backward, two step forward. Ok. Ok. Et nous prenons Élisée Pironeau. Et puis nous sortis le premier album avec Élisée, c'était Indestructible. Ok. Qui pas tellement. Ah, Élisée était un petit problème. Rhythm. Parce que Élisée, pas bien, Élisée, son guitariste. Classique, c'est classique. C'est classique, comme ouais, tout le temps. Donc là, on voit avec un rhythm section avec il est. Mais quand même, depuis sous deuxième plaque là, et Pyramide, Élisée prend Capli. Et puis voilà, Élisée a fait près de 18 ans avec nous. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, il y a eu one step backward and two steps forward. Voilà. Bon, c'est ça. Maintenant, pour nous aller remplaçant les guitaristes, parce que nous connaissons deux guitaristes extraordinaires, Gary avec Ralph Condé, qui sera notre invité la semaine prochaine, parce que vous connaissez Michel Cheval en tête de génération. Mm-hmm. Okay, parce qu'il a parlé d'expérience comme... comme producteur, comme tout bas, simple, Nap Game, monsieur, c'est dimanche prochain. Si Dieu le veut, si Corona nous le permet. Nap fait ça dimanche prochain. Donc, parce que nous avons la Kabi, et à cause que l'heure va avancer, et puis deuxième, nous avons la, nous avons tout chapitre Legacy, Yvon André Kabi, de, ça veut dire que, mesdames, messieurs, il faut que vous disiez que Kabi a un projet parallèle, et, à son parcours avec le Tabou Combo, qui s'appelle le Afro-Caribbean Project, que monsieur toujours, ils font paquet de CD, monsieur cherche un bagage, ils vont bah, un message que la paye. Et la dernière plaque, là, que me tendait plusieurs fois déjà, là, au tombeau avec que monsieur tendait tout à l'heure, là, encore, monsieur introduit ses deux fils, ok? Il y a un qui fait rap, il y a un qui chantait Amazing Grace, bah, comme ça que je vous invite à acheter parce que c'est un très bon album. Parlez-moi de décision parent, papa, qui dit que, parce que moi, dans le tabou combo, petit et madame, je batterie, etc. Moi-même, personnellement, m'encourage Giovanni, qui est un chanteur international pour chanter, pour y avoir même qui, genre, ou décider avec l'accord de René, ta femme, pour d'accord, pour Timounou entrer la musique. Bon, et commencez sous David. David gradué dans Boston Conservatoire de musique. C'est l'aîné. C'est Denier. Denier, le cadet, ok. Benjamin. Benjamin. Right? Ok.
David pas gradué en tant que musicien. Après 4 ans dans Boston Conservatoire, il est gradué en tant que acteur, a stage actor. Acteur dans Broadway, play Broadway. OK. Mais dans le film, il choisit, il compris danse, chant, musique théorie, et puis acting. Donc, it's a whole package. Même à part ça, monsieur son chanteur exceptionnel, extraordinaire. M'ap di sa pou me vanter, monsieur, comme papa. Ah, moi, c'est ça. Même monsieur gon talent extraordinaire. Donc, justement, monsieur t'en tourné là, tourné à campé. Il était non tourné 1 an avec The Play Jesus Christ Superstar. Oh. Un play qui a duré pendant toute une année. J'ai mes compliments, compliments. Oui, oui, oui. Compliment. Donc, pendant le Michigan, et, au mois de mars, et, parce que tourné à tapé dans 26 states. Donc, pendant le Michigan, et, bagay, pandémie a venu éclater, etc., et show a campé. Vous comprenez? Il t'a parlé dans Miami, in June 2020. Parce que, là, vous voyagez de state en state. Et, donc, pour le moment, play a campé. Donc, éventuellement, laisse à bagay, play a pour continuer. Donc, voilà, c'est David. Philippe lui-même, Philippe gradué dans FSU, you know, en tant que creative writing. Okay. Donc, Philippe used to be a school teacher. Philippe is in Tallahassee. Monsieur moved Tallahassee. Il était l'école Tallahassee, le même ville-là. It's a quiet little town. Monsieur moved back Tallahassee. Monsieur is working 9 to 5, normalement. Mais, et passion, monsieur, c'est musique. Donc, monsieur fait rap on the side. He's a beautiful writer. Parce que, monsieur, il graduate as a creative writer, creative writing. So, là, monsieur écrit, tout ça l'écrit, et puis, il mettait en rap. Donc, voilà. Donc, m'te choisi, qui t'aime d'où? Afro-Caribbean Project. Normalement, c'est un projet qui a pris naissance en 2006. Le but de ce projet, c'est de préserver un genre de musique qui tend à disparaître. Principalement la musique de Guy Duhosier, Rodolphe Legault, et Raoul Guillaume, Martha Jean-Claude, Luman Casimir. C'est ça que fait dans tout album, ça y est, on toujours mettait musique des pionniers, ça y est, qui ouvrit porte là pour nous, hein. Mais bien sûr, sur d'autres arrangements modernes. Et puis, on prend des jeunes Haitian American pour participer dans le projet, ça y est. Donc, c'est une façon, non seulement préserver ce genre de musique et aussi rendre hommage à ces pionniers qui nous ont ouvert la voie. Donc, pionniers, Guy Duhosier, etc. Je parle toujours de Guy Duhosier parce qu'à mon avis, moi-même personnellement, ben, c'est un musicien haïtien plus important. Nous t'es gain. Bon. C'est ça, bon. Et en tout cas, ça, c'est une information importante. Et le Afro-Caribbean Project de Capi, ou sur 8e chapitre. Donc, si moi, j'ai l'autre chapitre encore. Well, éventuellement, oui. Oui, éventuellement, c'est ça. Donc, on y a là, écoute, et what is life? Et qui j'en ouais la vie après Tabou Kombo? Et pas que Tabou Kombo fini. 52 ans, donc son parcours extraordinaire. Mm-hmm. OK, qui ça gagne après Tabou Kombo? Est-ce que nous avons passé, nous, Herman a vu petit, Herman a vu compas? Mm-hmm. Petit ou pas, je compas. Cela veut dire que qui est-ce qui a continué la tradition Tabou Kombo? Ok, bon, donc, pas qu'on est. Est-ce que son bac que nous avons intention de faire, pas qu'on est. M'pense que relève Tabou Kombo a, li, m'pense que l'assurer. L'assurer? M'pense que. À partir de qui ça? À partir de qui ça? À partir de jeunes, nous incorporés dans Ben, non? Ou Dino, the young bass player, who's 35 years old, ou jeune chanteur, Papito Noël, extraordinaire talent, Gary Josama, guitare, Ralph Condé, guitare, éventuellement tout. Donc, je pense que relève l'assuré parce que Tabou Kombo, comme a dit Bob le Moine, Tabou Kombo ne mourra jamais. Bon, c'est donc, ça. Même le nous parlons encore. Mon cher Cap, écoute, nous parlons de Fonti Rété, nous avons une pause musicale tout petit. Fonti relax, Fonti le pic parce que nous parlons ouvert ligne là, pendant quelques minutes. Pour que tout le monde qui a regardé nous à travers le monde, si vous avez un petit commentaire ou bien commentaire ou bien question pour vous. Mesdames et messieurs, nous sommes encore avec Yvon André du Capi du Tabou Kombo.
Et bon, maintenant, c'est notre petite causerie. Bon, on va prendre fin pour le moment. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour donner place à vos commentaires, et des questions. À tout de suite. Bon, mesdames, messieurs, nous sommes de retour avec Yvon, André, Capituta Bukombo. Cap, je te remercie pour ces 50 bonnes minutes. Cette belle petite cause, nous allons parler. Et nous, ça fait un bon 50 minutes à parler, donc merci. Cap, tu m'entends? Vous entendez moi? Oui, oui, oui. Ok. 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 Bon, maintenant, ça nous va le faire la cognon là. Nous va le mettre. Et l'ingénieur va mettre le numéro sur l'écran. Côté que. On va demander un paquet de numéro que n'importe qui dans le monde entier a relé. Pour parler avec nous, poser des questions. Et puis, puis nous continuons à cause rien. Et puis, nous allons inclure mon yo, le monde qui t'apprend de nous là. Parce que. Téléphone met à vibre en pile côté que quelqu'un qui commente qu'a fait ben dame moun sa yo c'est téléphone dans le quoi ba là c'est ou même pour regarder pour reler nous pour capable poser question faire commentaire à partir de conversation que sont tendu là. Donc pratiquement capi écoute bon avant que le téléphone paraisse sur écran on est là et ou sont dit débat qui très 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 important. Ok, vous dites comme ça que bon pépinière, ben elle a continué. Et tabou bon bois qui relève. On a est-ce que Kabi en forme ou en forme? En forme. En forme, en forme. Ouais, par exemple, à partir de là, est-ce que on a gagné une sorte de supervision? Est-ce que nous-mêmes l'ancien monio, est-ce que n'a bon rôle que nous pourrons jouer dans la formation de ce groupe de jeunes? Nous perdons son capia là, nous pas comment ça passé. Hello. How about now? C'est le même travail que c'est Tapional Topicana faire. On va
c'est le même travail, c'est le même travail là qu'a pas le fait. Et je m'en fait nous prenons ça comme exemple. You know. Et puis n'a pas suivre ça au faire. N'a we'll be on the side et puis tu me show up I'm going woman. C'est la tradition tabou combo doit continuer. Et Kounia là, est-ce que Kounia pour toi musique haïtienne n'a pas aller là Kounia là parce que bon, il y a des groupes tellement, il y a un groupe très valable qui cap joue actuellement là. Mais moi toujours dis d'aimer nèg yo exploiter l'autre rythme tout moment parce que nous grand pile rythme qui pas exploité et on compare notre rythme national, c'est vrai, mais au moins on plaque yo ka meton l'autre rythme, yo ka meton Igbo ou Petro whatever, vous comprenez? Parce que il faut exploiter c'est l'autre rythme ça tout. Ouais, vous avez un appel que ingénieur a mis des numéros sur écran pour mon carré parce que beaucoup de numéros maintenant et parce que leur relais voit apparaître et puis il attend des questions et puis n'a répond à partir de pour répondre à partir de ça parce que beaucoup de temps. OK. Ouais. M'a mettre en charge là rapide parce que I'm running low, my battery is running low. OK. OK, mon femme. Allô. Yep. Yeah, allô. Okay. Ouais, donc pratiquement et nous t'as parlé de qu'on vous prend les orchestres du Nord comme des exemples parce que bien pétillant et même tout fait sort mentionné que beaucoup de numéros sur écran pour mon relais parce que l'autre jour j'ai quand il appelle parce que j'ai un numéro qu'on a pas compte pour qui ça que beaucoup de numéros de façon on continue notre petite conversation parce que me donne parce que plus question à poser mon téléphone là le téléphone m'a demandé que c'est là pour paraître c'est pas en privé pour demander question yo parce que pour tout pour tendre réponse à question ça yo qui super est très important. Et est-ce que Tabou Kombo, Kapisa, son petit retour, un petit bac en fait ici, est-ce que succès Tabou Kombo pendant 4 ans avant nous partir, 3 ans, 2 ans avant nous partir, est-ce que le fait que vous étiez amis ou bien des amis du lycée de Pétionville, est-ce que ça a un rapport avec le succès? Absolument, absolument. Parce que lorsqu'on groupe, côté tout le monde, depuis à 5 ans, 6 ans d'âge, on compte l'autre. C'est comme une grande famille. Donc, c'est pas un groupe côté roupi comme on est ici à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, nous grandis ensemble. Donc, ça fait une grande différence. Bon, est-ce que par exemple, à partir de là, nous venons entrer ici, nous venons dégager les musiciens. Hello, hello. Ok, quel est qu'on appelle? Hello, hello. Ok, hello, hello. Et on vous appelle. Ok, n'attendons. Numéro 5, écrit sur l'écran. Hello, hello. Oui, oui, on écoute. Ok, d'abord, on va féliciter nous, monsieur, pour le programme. Moi, c'est que ton bar qui est mis en pile dans la communauté, surtout lorsqu'il s'agit de musique haïtienne, que nous toujours bien une sorte de complexe, qu'on peut être de gratteur, vagabond, etc., etc. Et c'est important que nous fassions ça là, que nous montions le choix. Maintenant, Il y a deux points que Cathy a mentionné, qui m'a touché. Une question de sachem, non? Il est important de penser pour les musiciens haïtiens et cherchons à mettre ensemble pour faire information circuler pour les jeunes musiciens qui connaissent ce qui passe. Même quand on a ça, il y a un nouveau police et gérer les musiciens et puis je vais combattre les golden de production, je vais avoir un avocat et puis on va. Et puis, je dis que pas qu'on a un délire qui a dit, même fois, et puis vous comprenez que mon cas, c'est pas, il mal fait, il prend compte à Gazali, il signe un contrat, et puis c'est là, après, il finit ma tout le monde, avant qu'on garde le contrat, il signe un bail sur le nom, que c'est après 3 ans que je gagne un droit, bon, c'est des bagages, des bagages, c'est pas important. Pour le cas, c'est changé, nous pas gagner aucun site dans la communauté pour protéger aucun monde. Maintenant, on me dit, monde dans la communauté a vraiment ça, pour ça. Deuxièmement, Gomba qui est important dans sa date d'Italien et équipe Tabou Kombo est son modèle. Parce que, depuis New York pendant 27 ans, bon, Tabou Kombo fait 2 ans dans les 7 ans de là.
et Gomba qui important ou pas Jean Wenex à Fender New York. Sous nos canons, on rue qui était très passante, on rue que on est assez gratte à Calva, c'est un peu gros bisous d'Aïti, on est gratte à Calva. Ou pas Jean Wenex, on joue dans les mecs qui sont commentaires qui viennent Wenex au café, ou pas Jean Wenex au bout, café de Capou. Ça, c'est un bagage extraordinaire qui a servi. Et notre groupe de modèles, si on relève le capital au Congo, on est supposé suivre exemple ça. Et c'est un autre type de RFR, ça, on disait, Capi mentionné, et Capi, c'est grand que Capi, c'est Capi, Capi, c'est Capi, ça, c'est important. Parce que je pense, je suis grand que Capi, je vais vous Capi, je vais vous dire, non, je n'ai pas besoin de Capi, c'est grand Capi, je vais vous. Donc, ça, c'est compliment, c'est bien là. Une équipe de football Pétionville, il y a des pirates. Hello. Ouais, bonjour, Capi. Ce sont des très bons points, mais Capi n'a pas appelé mon que. Et mon Capi, le rappelé sur WhatsApp, en 407-921-98-51. 407-921-98-51. WhatsApp ou bien un téléphone normal si vous. Si aux États-Unis ou bien je vais aller en WhatsApp pour nous là et puis n'a parce que nous venons appeler un petit peu en retard parce que c'est qu'on y a le numéro pas plaqué sur écran. Donc pratiquement Capi, il est super important que nous continuions à faire aspect ça côté que son groupe de famille côté que ou nous parce que même les cap de formation professionnelle. Pour tout ça, nous avons dit que nous avons pépinière, nous avons élevé presque garantie, etc. Bon, Eddie, oui. Je pense que nous-mêmes en Haïti, en tant que pays, en tant que nation, nous avons besoin d'une société qui pour défendre nos droits d'auteur, auteur, compositeur, écrivain, etc. Tous les pays du monde, il y a ça, tout pays, nous-mêmes, nous pas gagnés. Il y a, depuis sous époque, Ancy de Rose, Tabgoumen pour une société comme ça. Si Raoul Denis, Tabgoumen pour lui, jusqu'à présent, nous pas une société vraiment en Haïti qui pour défendre nos droits. C'est ça que fait monsieur Joao Yo, ça rouge ce droit de prendre musique nous, ouvertement, et puis qu'a fait des millions sous tête nous. Donc, on y a, Capi, Capi, écoute. Je veux dire que c'est son rêve que lui, mais nous avons marketing business qui fait d'une façon unilatérale. Chaque jazz fait affaire par. Ok, par contre, distribution sérieuse qui vous fait que c'est que pour représentant, exposé pour musique haïtienne à travers le monde. Moko, si bien, je ne connais pas. On ne parle d'une façon, c'est pour un business qui a fait, nous avons une plaque, ils font combat comme ça. Mais, en tant que quand pour la département de la culture, là, on dit, si pas rien ça, j'ai en Haïti et qu'on y a là, on pense que, gain façon pour moun yo, gain tête ensemble, ça va être tête ensemble vraiment, ton théorie liée dans toute bagarre que nous faisons en Haïti. Parce que tête ensemble, entendre nous, bah, comme ça, techniquement, je me permets de dire que ça n'existe pas vraiment. Ouais, mais j'ai encore la lève, c'est toujours un bagage de parcours, ou bien, par exemple, il y a qui, Jean, est-ce que c'est le cas de dire que musique haïtienne, puis n'a pas un futur dans ce sens-là, parce que c'est travail unilatéral qui fait. Classe, un travail extraordinaire pour pousser cette tête-là. PNP, il y a 16 ans, comme un jazz rétro. Ok, jazz au cap, il y a un pépinière que vous poussez, qu'on a l'op gardé. Tropicana avec septembre, ce sont des jeunes qui ont joué. Donc, et tant d'autres exemples. Donc, on y en a chaque bas, ça, c'est pareil. Quand monsieur, là, en plein de mien, là, il a créé des programmes pour jouer avec ma Saint-Figuance. C'est le marketing qu'a fait. Si on y a société, on parle, là. Est-ce que le cas, j'aime exister, vrai? Il est capable. Je pense capable. Non, mais, l'autre jour, c'est son bon point avec Tiraoul Denis, qui est en charge. Pour le moment actuel, mais pas qu'on est dans qui stade nous y est avec ce projet. Dans qui stade yo est avec ce projet. Mais normalement, c'est son bagage qui obligatoirement doit se faire en Haïti. Il faut absolument pour défendre nos droits, auteurs, compositeurs, nous y est. Vous comprenez?
DP Express, DP Express, pour me venir sur DP Express. Oui, yo prend musique DP Express à Saint-Domingue. Oh, prends plaisir, non? Yeah. You know. Wilfrido, Wilfrido toujours. Cap exploité, non, pas bon, pas bon. Donc, il faut aussi, faut qu'on société, cap défendre, droit, auteur, compositeur, etc. You know, yo prend musique ou carrément, yo fait réclame avec lui. Sans autorisation. C'est pas normal. Quand il y a un travail qui vous fait dans ce sens, à côté pour une régulation, pour penser le travail qui vous fait. Même ça fait, oui. Bonjour. Quand vous m'avez pas jamais fait musique engagée autre que la musique qui est basée sur le racisme, par exemple, tout bas est noir, bagaille race et bagaille sauce, qui ça c'est pas une musique engagée. Préjugée. La vie en exil. La vie en exil, mais qu'on a pourri ça, t'as pour qu'on pas jamais prendre direction ça. Est-ce que parce que nous venons ici de bonheur et c'est pour bagaille Haïti vraiment? Non, but we did. Dans le temps, we did. Mais pour, comme exemple concret là, bon, deux musiques qui passent dans la tête, moi automatiquement on dit ça. Mais nous faisons musique pour préjugés, par exemple. En fait, si bon, des contextes extraordinaires, préjugés. Et moi-même, j'ai fait la vie en exil. C'est qui touchant. Et quand on a parlé de AIDS, le, you know, etc. Donc, musique, mais pas oublier. Non, vas-y. Moi-même, tout me font comme musique, elle est en. Partagé. Dimas 82, planète okay. Aligné. Voilà. On a parlé de distribution des richesses, etc., etc., etc. Donc, voilà. Oui. Pas oublier. Mais nous sommes orchestres. Nous sommes orchestres. Nous pas un groupe engagé. Nous sommes orchestres qui font musique populaire, ou musique qui est pour vendable, ou musique dansante. Donc, soit font musique, si choisis de faire une musique dansante, faut pas trop faire. Trois romans, trois à fond dans ce domaine. Oui, bien sûr, vous faites hit avec des musiques engagées et pas pendant une diaspora, non? Engagées en fonction de situation en Haïti. Situation en Haïti depuis l'époque américaine, là, on a fait concours. Mes amis, une bonne nouvelle pour nous. Bon. La game pour me parler. Ok. Ok, donc pratiquement ça, en principe, sont en pièces engagées. Absolument. Ok, en pièces engagées, bon. Elle m'a pas beaucoup pile là-dedans, mais en tout cas, d'accord, parce que... On parlait des problèmes sociaux, tout. Des problèmes sociaux, politico-sociaux. Musique, ça. Hein? Là, vous avez téléphone pour moi parler, que je sais pas avec lui. Allô? Bonjour. Et qu'on y a bon mot, comme si côté ou côté nous parler. Et puis, m'a tout invité ou que nous parlons une sorte de pas table ronde, mais une table rectangulaire, qui est là, écran, computer, nous, côté, nous parlons faire, nous parlons regarder, est-ce qu'il y a musique, est-ce que, qu'on pas direct, il y a place, là, dans le sanctuaire, dans le business, dans l'église. Parce que, est-ce que c'est même qu'on peut danser, le samedi, est-ce qu'il y a place pour lui, dans l'église, Il y a quelqu'un qui appelle là. Oui, on vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Haïti. C'est conseil. Okay, c'est Bouchoa. Ok, merci. Vous m'attendez où vous m'avez parlé? Oui, alors, moi, salut nous. Et moi, je dis bon Dieu merci, bon Dieu gloire, le fait que. Li mette tout ce que nous sommes capables de faire un si bel show et que nous avons besoin, nous avons soif. Bon, m'espérer à travers le monde. Apparemment, nous perdons allô? Pour ça. Oui, allô? Allô, oui, on vous écoute. Allô? Oui, parce que culture haïtienne n'a pas tombé. Culture haïtienne n'a pas tombé spécialement la musique haïtienne là. Et chose ça, il va le faire, permettre la musique haïtienne revive, renaître. Nous féliciter nous et m'encourager nous. Moi-même personnellement, m'a encouragé d'autres mouns kouem, jeunes, haïtiens, haïtiennes, pour encourager dans tout temps
et fon a fait côté n'a bay naissance la reconnaître musique haïtienne là qui t'est perdu culture haïtienne. Merci, merci pour appel là et puis un pile bon conseil tombé. Capi on voit moi parce que chaque fois qu'on dit du maga. D'accord, merci. OK, merci. Donc téléphone dans c'est dans WhatsApp 407 921 98 51 de partout dans le monde où on doit arriver parce que et après tout commentaire et opinion avant que nous censé faire Capi aller parce que Capi avait nous là depuis bon plus d'une heure de temps. Nous pas qu'à Kimbel trop longtemps. Donc l'autre bail que m'gain pour Capi, est-ce que Kounian là sous t'a fait on l'école vous avez fait l'école de musique qui sont à faire là-dedans. Kabi, si vous avez fait l'école de musique, non. Quand si vous avez un problème technique parce que Kabi n'est pas à l'aise, il n'est pas à l'aise à l'affaire. Kabi, est-ce que tu es là? Allô? Allô, tu es là, Capi? Oui, je suis là. Ok. Parce que l'on déplace device, souvent, il est bouché. I'm running low. My battery is running low. Bon. Ok, en tout cas, de la façon, on a fait deux, trois commentaires, puis après ça, on a retourné comme soit invité. On a fait un player de musiciens ensemble, sous Zoom, pour que qu'on a fait le world de la musique haïtienne. Est-ce que c'est compas direct? Est-ce que c'est musique meringue lente, est-ce que c'est musique traditionnelle que nous devons permettre d'entrer dans le sanctuaire ou dans l'église? Hein? Parce que nous avons bien Anderson Camero, nous avons bien Assad avec les musiciens de la musique haïtienne. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi Télécajou. Maintenant, nous avons des petits problèmes techniques que ça nous permet de nous arrêter maintenant. J'espère que le programme vous a plu. Donc, rendez-vous dimanche prochain avec comme invité Ralph Condé. À bientôt. Si vous voulez qu'il revienne, frappez la main, nous pas parler, 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 nous pas parler